Alors le groupe est issu d'un projet qui s'appelle Music Action Lab Women. Et ce projet a différents buts. Premièrement, explorer les différentes identités culturelles en Turquie et en Arménie. Et également faire de la musique à travers le prisme du droit des femmes. Et c'est pour ça que toutes les membres du groupe sont des femmes. Başka dünyalara açılır kapılar. Her yerde, her şeyde adı var. Sonbahar ardında gizlenir ilkbahar. Gönül Alors à la base, c'est un projet qui a été créé, porté il y a 3 ans par l'association Yerkir, qui était un projet où on créait de la musique, mais aussi on avait une réflexion sur l'égalité de genre. C'est très rare, en fait, d'avoir un groupe entièrement féminin. C'est plutôt par rapport aussi à la pratique des instruments, en fait. Moi, personnellement, par exemple, je joue du doudouk arménien, qui est un instrument très masculin, qui est joué que par des hommes. Et la clarinette turque, c'est pareil, parce que ça vient de pays assez traditionnels. Après, c'est pareil pour esgui à la batterie, c'est pareil pour séval au balama, où c'est un instrument qui est quand même plus médiatisé, en tout cas, par les hommes. Au niveau du genre, en fait, on est très éclectique. On a toujours un peu des saveurs, on va dire, traditionnelles, orientales, arméniennes, turques, mais aussi beaucoup de fusion, du jazz, de la chanson. Dans le concert, il y a des moments électro, il y a des moments traditionnels, il y a des moments de musique festive. Il y a aussi des paroles, des textes qui sont en turc et en arménien essentiellement, et puis aussi en français. Alors du coup, on a été en résidence dans la Villa en Pin de la Fondation Bobossian, un lieu qui nous a accueillis, où on a pu travailler pendant 10 jours, justement, à compléter notre set que nous avions créé il y a 3 ans, et en composant des nouvelles créations. Comme il y a des filles donc, qui viennent de plusieurs endroits, donc de Turquie, d'Arménie, et de France et de Belgique, on a toutes un bagage musical différent. Pour moi, c'était très intéressant parce que déjà, je suis d'origine arménienne, donc c'est toutes des mélodies auxquelles j'ai souvent été confrontée, que j'ai souvent entendues. Et j'ai toujours voulu justement incorporer tout ça dans le jeu plus jazz, le style plus jazz que je joue, avec le mélange aussi arméno-turc, avec toute l'histoire qu'il y a autour de ces deux nations. C'est une belle manière de regrouper, on va dire, ces deux nations à travers la musique. Et donc ce soir, on va jouer, ce sera un concert de sortie de résidence de création, en fait.